Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment utiliser les élastiques. J'ai de nombreux retours sur ça, sur comment utiliser les élastiques, c'est-à-dire quelle résistance on met, comment on fait pour changer les résistances des élastiques selon l'exercice qu'on va faire. Parce que je vous propose souvent des élastiques, des exercices sous forme de circuit, souvent quasiment tout le temps d'ailleurs. C'est un peu ma méthode d'entraînement que je préfère. Donc, je vous propose souvent des méthodes en circuit et souvent, j'ai ce genre de retour, c'est quelle intensité je choisis, quelle résistance je mets, comment je fais pour changer mes élastiques le plus rapidement possible. Donc, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, déjà pour commencer, j'en reçois souvent des messages où des personnes me disent la résistance des élastiques qu'ils utilisent pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il faut mettre plus ou mettre moins. Je vous répondrai, c'est un peu comme les haltères, je ne peux pas vous dire si tel kilo est bien ou pas bien, ça va dépendre de chacun. Donc, il faut trouver la résistance qui vous correspond. À savoir que les élastiques, selon les marques, ce n'est pas les mêmes résistances. Mes anciens élastiques, c'était la marque Body Elastic, qui était très bien. J'ai plus cette marque-là parce que on ne le trouve plus sur Amazon France. Donc maintenant, j'ai la marque Power Guidance. C'est notre marque, c'est celle-ci que j'utilise maintenant, que je trouve sur Amazon France. Je vous mettrai le lien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, dans la description. C'est pas les mêmes résistances. Le rouge de Power Guidance et le rouge, s'il y avait un rouge, je sais plus, ou le noir, en tout cas, il y a des noirs ou noir et bleu, c'est pas les mêmes résistances. Le chiffre qu'il y a en kilos, là, je vois celui-là. Power Guidance, le rouge, c'est 22,7 kg, c'est marqué dessus. Le rouge représente 22 kilos. Et de mémoire, j'avais le Body Elastic, il y en avait un qui était à 18 kilos. Donc, on aurait dit que c'était plus léger et pourtant la résistance était plus forte. Donc, les résistances sur les élastiques, selon les marques, ce n'est pas tout à fait les mêmes. D'accord? Il faut faire attention à ça parce que là il me dit 22 kilos et moi, le Body Elastic était 18 kilos et mettait plus de résistance. Donc, il faut pas faire attention à ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est la résistance que vous avez. Donc, moi, en fait, je m'en fous des chiffres sur les élastiques. C'est la différence avec les haltères. C'est que je ne fais pas attention aux chiffres. Les chiffres, pour moi, c'est important pour ma séance, pour savoir quelle résistance je mets pour tel groupe musculaire. C'est pour moi, c'est pas pour comparer aux autres. C'est vraiment le gros avantage des élastiques, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres personnes pour savoir si vous êtes plus fort ou moins fort. Comme ça, vous êtes concentré sur vous-même. Donc, pour trouver sa résistance, selon l'exercice, comment on fait en fait? Là, j'en ai mis plusieurs. Quand vous allez vous échauffer sur un exercice, sur un circuit, avant de commencer votre circuit, vous échauffez par étapes. Puis après, petit à petit, vous allez progressivement mettre de la résistance pour trouver votre résistance qui vous correspond. Et pas par rapport à un chiffre que vous avez vu sur Internet d'une personne qui lève tant en poids. D'accord? Faites pas attention à ça. Parce que là, il y a de la résistance. Et en termes de kilos en haltères, je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond. Parce que c'est pas la même chose, c'est important de le comprendre. Parce que là, au début, j'ai pas trop de résistance. Plus je vais tirer, plus je tire, plus il y a énormément de résistance. La résistance, ça s'accroît. Donc, c'est pas comme les haltères, c'est vraiment pas pareil. La résistance, c'est pas pareil. Donc, là, ici, je me suis échauffé, j'ai trouvé tous mes exercices. On va faire sur un circuit, j'ai quatre exercices par exemple, et je m'échauffe sur chaque exercice. Et je vais donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. J'ai un exercice, c'est celui-ci, le dos. Un exercice, ça peut être là pour les pecs, ici. Un autre exercice, allez, on va dire ici pour les cuisses, où je suis là, je monte en fente. Et un autre exercice, c'est pour les épaules, ici. Élévation, voilà. Ok? Donc, comment je vais faire pour trouver mes résistances? Selon l'exercice, je vais m'échauffer, je vais mettre la résistance qui correspond. Là, pour le dos, je vois, j'ai de la force, je vais reculer un petit peu plus, bien sortir les épaules. Là, je sens que c'est bien dur. Pour le devant, pareil, si j'avance trop, je vois que c'est trop dur, je recule un petit peu plus. Je trouve que c'est dur, ok, j'ai ma résistance. Donc, bien sûr, je fais 4, 5, 6 reps pour voir vraiment si c'est ma résistance. C'est-à-dire, si je vais ici, et puis je suis comme ça, là, le mouvement, il est dégueulasse, je ne suis pas bien du tout. Donc là, ici. Là, j'ai un bon mouvement, je trouve ça très dur, j'ai ma résistance. Les fentes, même principe. Ici, j'avance, j'essaie d'être stable, ok, pareil. Et les épaules, pareil. Donc en gros, sur le nombre d'exercices, idéalement, quand vous avez passé d'un exercice à un autre, soit vous avez votre distance repère pour savoir comment changer d'un exercice à un autre à un temps de repos court, soit vous avez juste à enlever
un élastique. Par exemple, là, plusieurs, vous enlevez un élastique, vous savez lequel, hop, hop. Alors, idéalement, là, j'ai pris deux rouges. Je reviendrai dessus après pourquoi. Deux rouges, si vous avez deux de la même couleur, c'est un peu galère. Mais idéalement, si j'ai prévu d'enlever qu'un élastique, j'essaie d'avoir une seule couleur. Parce que si j'enlève un rouge et que j'enlève pas le bon rouge de l'autre côté, ça va rien. J'aurais pas à enlever deux élastiques en fait. Donc c'est tout bête. Donc par exemple, j'enlève le vert, hop hop, et je passe à un deuxième exercice. Il faut que d'un exercice à un autre, il faut que vous ayez juste à jouer avec la distance ou au pire, enlever un élastique. Quand il y a deux exercices avec une grosse différence de force, comme là j'ai fait exprès de vous montrer les épaules avec autant de tension, c'est impossible. Je peux pas. C'est impossible. Donc je suis obligé de mettre un élastique léger. Un élastique léger, je ne vais pas m'amuser à enlever trois élastiques pour avoir mon élastique léger, ma résistance légère pour pouvoir faire mes épaules. C'est pas possible. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai préparé à côté un autre élastique. Et là, avec le chevillère, c'est pareil. Avec le chevillère. Et comme ça, je peux enchaîner. Donc, c'est comme ça qu'il faut prévoir votre circuit. Les premières séances, c'est assez dur parce que vous ne trouvez pas vos résistances, mais c'est pareil avec haltère. Si vous faites avec haltère, au début, vous ne savez pas quelle charge mettre, vous allez progresser doucement, enlever, rajouter des poids. Voilà, c'est même plus galère avec les poids, parce qu'enlever des poids, remettre les poids, les sécurités, c'est beaucoup plus galère que les élastiques. Donc, prévoyez vos élastiques comme ça, essayez de faire en sorte que vous ayez juste à reculer ou avancer pour trouver votre résistance, que vous ayez juste à enlever un ou deux élastiques. Le top du top, ce que je vous conseille, c'est avoir deux packs. Là, en fait, j'ai deux packs. Les deux élastiques rouges, c'est mes résistances les plus fortes. Bah, je mets les deux en même temps, j'ai pris deux packs. Et comme ça, je peux m'amuser. Comme ça, deux packs, bah, si je prends deux packs d'élastiques, alors un pack sur la marque Power Guidance, ça va dépendre des marques, la marque Power Guidance. Il y a un rouge, il y a un vert, il y a un jaune, il y a un bleu et j'ai un petit élastique noir. Avec en plus les poignets, comme ça. Un bloc porte comme ça. Je vous montre, j'en ai un autre ici. Ici, là c'est mon ancienne marque, il y a ça qui est dedans, et les chevillères, d'accord? Si vous en prenez deux, bah, vous avez deux chevillères, deux poignées, donc imagine avec deux packs, déjà vous pouvez vraiment jouer avec les résistances, mettre un maximum d'intensité, il pourrait prévoir différents élastiques, il y en a un autre qui traîne, comme ça sur un exercice vous avez ça, hop vous mettez de côté l'exercice d'après, vous mettez celui-là, vous avez au pire l'exercice d'après, vous avez encore un autre, jouez comme ça sur les résistances. D'accord ? Vous ne devez pas faire chaque exercice à la même résistance. J'ai fait exprès de vous montrer quatre exercices où là, vous avez vu, les distances ne sont pas forcément les mêmes et les résistances ne sont pas les mêmes. Les épaules, j'ai carrément beaucoup moins de force que pour le dos. C'est normal. Donc, vous trouvez les résistances qui vous correspondent. Essayez de faire en sorte que vous ayez qu'un élastique à enlever ou à rajouter selon l'exercice. D'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider pour savoir comment on fait pour ajuster ces élastiques, comment on fait pour trouver ces résistances. On y va progressivement trouver la résistance qui est dure. Par exemple, si vous avez un tour sur 30 secondes, bah vous essayez de faire un truc, en vous échauffer un petit peu, vous devez pouvoir tenir les 30 secondes, d'accord? Si vous faites, et qu'en gros vous faites une minute, ça sert à rien. Donc quand vous échauffez, vous essayez de trouver une résistance, c'est comme ça, j'en viens dessus. Ici, par exemple, là, je trouve que c'est dur, je vois que je peux quand même en faire plusieurs, je suis bien, c'est dur, ok, j'attaque sur 30 secondes. Quitte à faire, quand j'attaque le premier tour ici, là, puis au bout de 20 secondes, j'en peux plus, j'avance un petit peu et je finis ma série comme ça. Et au tour d'après, bah, j'enlève un élastique. Voilà. Pire, je fais une pause entre chaque tour, j'enlève un élastique et semaine après semaine, je vais vraiment pouvoir ajuster mes élastiques, mes tensions. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider à répondre à toutes vos questions et comme ça, vous pourrez vraiment vous y mettre à 100%. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!